Allez, merci pour le coup. Très bien. T'es bien? Fais un sourire. Il y va doucement. Non, mais franchement, c'est bien. Et toi aussi. Hop là. Ça va? Oui. Très bien. Tu veux t'aider? Vous avez déjà fait du kart? Oui. En tout cas, c'est la même chose, c'est le même fonctionnement. On accélère à droite, on freine à gauche. Ok. On a un volant pour tourner. Ça, pas de soucis. Mais ça va 10 fois plus vite. Ok. Donc si ça va plus vite, il va falloir freiner avant les virages. Si vous freinez pas avant les virages, vous allez sortir de la piste et vous allez être coincé. Surtout, il faut rester sur le goudron. D'accord. Sur la piste. Vous allez rouler 10 minutes. Vous roulez 10 minutes. À la fin des 10 minutes, je ne sais pas si vous avez vu, j'agite un drapeau noir et blanc. Oui. Dès que j'agite le drapeau noir et blanc, c'est fini. D'accord. Donc, on ralentit et on rentre doucement dans les stands. D'accord. Et on vient s'arrêter derrière les autres cartes sans les taper. D'accord. Sur la piste. Si vous êtes coincé sur la piste, vous attendez assis dans le kart et je viendrai vous chercher pour repartir. D'accord. Et surtout, c'est pas des voitures tamponneuses. C'est pas fait pour se taper dedans. Non. Encore le tien, ça va, il est pas trop cassé. Mais le tien, il est complètement cassé. Tu as vu? Tout ouvert. Ça, c'est qu'il y en a qui se sont tapés dedans. C'est pas du tout fait pour ça. C'est pas du tout. C'est vraiment pour rouler. Ok. D'accord. Et c'est ni une course. Ni de premier, ni de dernier. Celui qui rentre en premier dans les stands, c'est pas le premier de la course. Okay. C'est juste qu'il a fini le premier de la série. D'accord. Ok? Oui.